Et yo tout le monde, c'est les Mathieu, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit challenge. Et oui, vous savez qu'il y a les héros qui sont arrivés. Et regardez ce qu'on va tenter aujourd'hui. On va tenter de jouer avec un deck à 1.8 d'élixir. Je me suis dit, ça peut être très drôle d'essayer ça. Pourquoi? Parce que bah, la Reine des Archers, qui est actuellement la meilleure carte du jeu, j'avais déjà un concept où on essayait de jouer toutes les win conditions avec le deck le plus bas en élixir possible. Là, aujourd'hui, on va jouer à 1.8 d'élixir. J'aurais pu jouer le miroir. Le problème, c'est qu'on peut pas miroir la Reine des Archers. Du coup, ça a aucun intérêt de le mettre dedans. Donc, on est sur ce petit deck, on a déjà 4 esprits plus les squelettes. J'ai mis une petite bûche au cas où il y a une armée de squelettes ou des trucs relous à gérer. Et sinon, des sapeurs parce que ça permet d'attaquer et de défendre aussi. Sinon, j'aurais pu mettre des chauves-souris et le sort d'orage. C'est les deux sorts avec lesquels j'avais hésité. Mais je pense que là, on en a déjà une bonne base. On va essayer de cycler un maximum l'arène, surtout avec le cycle un petit peu cassé. Et puis voilà, on va voir ce que ça va donner. On n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu et à l'abonnement avant que ça commence. Et on est parti dans la première game. Ça va être très très drôle, surtout si on croise des héros. Ok, on est parti directement. Hop, ça commence très 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 mal, puisqu'il y a des cochons royaux en face. Ok, belle bûche. Déjà, ça commence mal. Ça commence vraiment très très mal. On va essayer peut-être de choper une petite bûche, ça serait cool. Oh, attendez, mais je suis contre un vrai joueur ou quoi là? C'est quoi ce délire là? C'est quoi ce délire? Ok. Nice, petit camouflage. Petit esprit de saut au dernier moment. Regardez, regardez, le combo est déjà incroyable. Le combo est déjà un classique, mesdames et messieurs. Regardez les dégâts qu'on lui a collés. Hop. Nice. Bon, il va à séisme à chaque fois, je pense. Donc je vais arrêter de foutre mes squelettes. Et j'ai une meilleure strat à proposer. Je pense qu'on va faire ça. Sapeur derrière. Et là, pouvoir. Ok, peut-être un petit esprit de soin là-dessus. Oui, oui, encore une fois l'esprit de soin clutch. Oh, il va falloir être chaud, hein. Il va falloir être attaqué parce que là on est contre un vrai deck méta. Donc ça promet des belles choses. Après si je mets mes squelettes instant, je pense qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose, hein. On va bien voir. Il faut que je garde l'esprit de feu. Pourquoi pas garder l'esprit élec aussi. Hop, hop. Nice. Ok. On s'en sort pas trop mal au final parce que l'arène est super galère à défendre pour moi. Donc on va bien voir. On va essayer de la cycler avant qu'il nous parte en cochon royaux. Nice. On refait la même. On re-soigne. Ah, dommage. Vraiment compliqué de taper un deck méta. Normalement, on doit pas croiser des decks méta. Mais là... Il a pas... Oh, un petit sapeur qui connecte. Oh, le petit sapeur qui peut aider. Surtout que là, du coup, on a recyclé des sapeurs. Donc, on va partir. Hop. Ok, ok. On a connecté sur la tour. C'est très bien. Déjà, une tour qui tombe. Ça, c'est cool. La question, c'est est-ce qu'on peut défendre? Allez, il va falloir être très, très bon là. Ok. Nice. Nice. On est en train de tenir 10 secondes. Nice. Le superbe esprit de soin. Peut-être. Allez, allez. 39. Non. Non. Non, pourquoi? Ok, sapeur, sapeur, ça cycle, ça cycle. Double, double ration de sapeur. Oh. Oh, l'esprit de feu. Oh là 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 là. Oh la masterclass. Oh c'est tellement chaud. Ça j'en étais sûr qu'il allait faire ça. Il a pas eu le réflexe. Il a pas eu le réflexe. Il a pas eu le réflexe à la GG contre un vrai deck méta. Un deck, un des meilleurs decks actuellement. On a réussi à battre avec un deck à 1.8 d'élixir. Mais attendez, mais toutes mes troupes, ça faisait... Regardez. Regarde, je vous mens pas. Incroyable. Et bah dis donc. Alors, on va souhaiter bonne chance. Et on espère que ce sera un peu plus simple. Regardez ma main. Regardez ma main de départ. Ça n'a aucun sens. Alors. Ok. Il doit péter un câble. Hein. Il se dit, mais attends, mais...
Ah, donc le jeu a décidé de me mettre vraiment en difficulté, genre maximum, quoi. Oui, ok. Ça me va. Ok, on a recyclé. Ok, pas trop mal. Ça va, on tient bien pour l'instant. On va recycler des sapeurs. On garde notre petite capacité. C'est parfait, ça va être défendu. Mais ça... Oh, on va même gratter un petit peu. Ça, c'est cool. Toujours ça de prix. Hop. Ah, dommage que j'ai pas l'esprit de soin. Je pense qu'il va mettre quelque chose. Ah, quoique, non, il va rien mettre. Ok. On peut cycler esprit. Non, mais si je gagne contre un deck golem, genre. Si je gagne contre un deck golem. C'est incroyable, hein. Si je gagne contre un deck golem, les gars, c'est vraiment que. Ah, quand je vous dis que. Il y a quand même une partie de skill. C'est qu'il y a quand même une partie de skill, ok. La foot très très agressive de la part de notre adversaire là-dessus. On va essayer de gratter encore, hein. C'est quoi qui gratte le plus? 227. Ouais, c'est l'esprit de feu, clairement. 227 et lui, 230. Ah non, l'esprit de glace tape plus que l'esprit de feu, je crois. Il doit se dire, mais qu'est-ce qu'il fout? Mais qu'est-ce qu'il fout, ce mec? Ok, parfait. Nice. Hop, on va essayer de le soigner au maximum. On en profite avec les sapeurs. Parfait. Maintenant, on a mis la pression. Il va falloir s'occuper de la défense. Et ça, c'est une autre histoire. Oh non, c'est une blague. Contre un deck clone? Non, 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 ça peut pas être possible. Non, non. Un deck clone avec une foudre? Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je fasse quoi? 20 secondes? Ok, va falloir être très très bon. Ah, il l'a pas mis corner, merde. Allez, va-t'en toi. Mais non! Oh le... Mais attendez, mais c'est incroyable! Mais attendez, mais c'est incroyable! Regardez-moi ça! Regardez ce qu'il vient de perdre! Regardez le matchup, c'est impensable! Genre, comment... Comment il a perdu ça, quoi? Ah! Alors là, je pense qu'on pourra pas faire pire. Golem, clone, foudre, c'est-à-dire que ma seule troupe pour défendre peut se faire one-shot. Là, je pouvais pas faire pire en termes de matchup, je pense. Et suffit que je dise ça pour qu'on ait pire. Voilà, des petites recrues. Ça fait plaisir toujours, hein. Avec des cochons derrière. Voilà, toujours un maximum de skill. Ah, j'aurais pu esprit au lieu de... Ouais, je sais pas si ça aurait été mieux. Ok, peut-être un petit esprit là. Ok, ça connecte des bons dégâts déjà. Des bons petits dégâts. Après, j'ai peur vraiment du x2 parce que bah recrue plus archer, je sais pas si je pourrais assumer, surtout s'il y a des cochons en plus de ça. Donc je risque de plus trop parler. Ok, on va mettre les petits sapeurs, voir s'il a une bûche. Ok, le baby, normalement il y en a qui connecte. On va mettre les squelettes ici, ça permet de tanker deux coups. Juste après, on mettra l'esprit de glace. Hop. Parfait. Et je pense qu'après, il y a moyen qu'on parte avec Ren au pont. Parce que dans tous les cas, on veut qu'elle meure pour la recycler. Pour la défense. Donc autant en profiter. Il va sûrement mettre des recrues. Ok, on va gérer tout ça. Parfait. Ça nous permet de finir tout ça à la bûche. J'avais même pas besoin de bûche. J'aurais dû bûche les gobelins, my bad. Allez, Sako. Oh, dommage. Nice. Et ben on est reparti, je pense, à Archer au point. Ok. Voilà, ce coup-ci on a les recrues. On va mettre une petite bûche.
Et après, on va essayer de kite avec des sapeurs, ça peut être intéressant. Le deuxième, voilà, juste ici. Hop, un esprit. Un deuxième esprit. Et on repart avec une reine au pont directement. S'il y a un mini P40, on se prépare. Ok, pas trop mal. On peut peut-être mettre la pression aussi de l'autre côté. On peut finir la bûche, je pense. Non. Non, 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 pas ça. Ah, je déteste quand ça fait ça et que ça connecte à un point de vie. Bon, on va falloir cycler. Nice, la belle bûche. Ok, ça défend tranquille. Première bûche. Ah, oh, j'ai oublié la capa. Oh, oh, la bûche. Oh, la bûche. Mais attendez, mais je vous régale. Oh, je suis trop concentré. Je suis désolé, hein, je commande pas beaucoup ce que je fais. Après, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. C'est beaucoup de placements. Et c'est... Bah, en fait, j'ai que ça pour outplay. Je peux pas outplay autrement. J'ai que mes petits placements de troupes. Ah, on a des decks ultra lourds en face. Regardez-moi comment c'est fat. 3-0. Pour l'instant, ça se passe bien. Oh, et c'était bonne chance encore une fois. Et je pense qu'on... Oh, j'ai envie de tenter une petite reine pour la first play. Voyons, alors. De toute façon, on a un deck qui cycle. En cas d'élixir, je la récupère dans ma main. Donc, à partir de là. Hop. Nice. Encore. Oh, oui, 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 monsieur. Ah, pas si weak que ça, apparemment. Ok, ça, c'est cool. Du coup, c'est du PK spam, c'est ça, hein? Apparemment, ce serait du PK bridge spam. Hop. On va mettre ça juste ici. Ah, évidemment, j'ai raté mon placement, sinon c'est pas drôle. Bon, on va prendre un coup de fantôme supplémentaire. Je pense qu'on aurait pu en économiser un. On fait déjà tomber la tour. Ok, ça c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'on va prendre de l'avance sur la deuxième au cas où on perd la première. Parce que PK, ça va être très très dur à tomber. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre une petite pression avec les sapeurs. N'hésitez pas à mettre les sapeurs sur le côté, hein. C'est toujours plus intéressant quand la tour du roi est activée. Hop, ça vous permet de défendre beaucoup mieux. Et je pense qu'on va faire ça. Ça. Petite reine au middle. Et là, va falloir être bon. Ok, les petits sapeurs. Les sapeurs, je les aime vraiment bien parce que c'est... Et je pense que c'était une bonne idée entre les chauves-souris et le golem de glace. J'avais hésité aussi golem de glace pour le foutre de l'avant la reine. Mais la reine n'a pas besoin d'un tank en fait. Vu qu'elle suffit à elle-même avec sa capacité, il n'y a pas besoin de ça. Hein. Ok, on peut rajouter des bons dégâts. Ça, ça fait plaisir. Toujours sur la tour du roi, on prend. On cycle l'esprit de glace en premier du coup puisque c'est lui qui fait le plus mal. Hop. Nice, encore une fois des sapeurs sur la tour avec l'esprit de feu qui tank. Ah, je sais pas si c'était une bonne idée de mettre cette reine, mais bon, c'est fait. Ça commence à être très très chaud là. Pff, 25 secondes, je peux pas perdre de tour, sinon j'ai perdu. Les gars, on est en train de le faire encore. On est en train de le faire. On est en train de le faire. Let's go. Oh, les défenses. Oh, c'est incroyable. C'est trop. Oh, alors là, j'ai eu une... Je pense... Ah, oh, je sais pas si c'était plusieurs. Non, je pense que le golem restait plusieurs quand même. Mais j'avoue que la double défense bélier, PK archer, sans troupes comme ça, c'est ultra dur à défendre. Hein. Pour l'instant, on est sur du full victoire. Honnêtement, là, c'est que du bonus, là. Vu les games qu'on a fait déjà, honnêtement, c'est clairement que du bonus. Ah, alors, est-ce que t'es une petite bûche? Ok, bien joué. On a l'air d'être contre un bon joueur, en tout cas, ça fait plaisir. Voyons voir ce qu'il nous réserve.
c'est pas de bol. Alors on va essayer de s'appliquer un peu plus sur les squelettes ce coup-ci. Voilà. Beaucoup mieux ça. Hop, on a déjà cyclé la reine du coup. Et on est reparti. Petit coup de reine. Nice. Est-ce qu'on pourrait pas soigner tout ça un petit peu? Ouais, j'ai peur que ça soit pas suffisant. Peut-être avec une bûche. Le pouvoir qui va revenir trop tard, malheureusement. Pompe à élixir aussi, c'est pas mal, hein, avec mon deck. Vas-y, disparaît. Ok, ok, ça connecte. Ça connecte, ça connecte, ça connecte. Encore, 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 encore. Nice. Parfait. On attend que la voleuse ait dash. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Il va sûrement claquer des 3M. On va essayer de les bûches hein, au maximum. Première bûche. Va falloir tanker ça correctement. Ah bah yes. Ok, à droite c'est bon, à gauche c'est bon. Petit pré-shot pour connecter les sapeurs. Nice, on soigne tout ça. On essaie de connecter les sapeurs sur la pompe. Malheureusement, on n'est pas assez rapide. Oh, l'esprit de feu, l'esprit de feu. Oh, l'esprit de feu en clutch. Oh, l'esprit de feu. Vite, s'il vous plaît. Allez, oui. Non, non, sur le côté, s'il vous plaît. Oh là là là, c'était chaud. C'était chaud, c'était chaud. Kappa, hop, on bombarde. Et bah c'est pas mal tout ça hein. 3 mousquetaires, on peut rajouter à la liste. Et je pense qu'on va encore en faire une. J'ai envie, normalement je me suis dit déjà, faut pas être en gourmand, 5 ce serait 5 games c'est déjà dur. Mais je pense que j'ai... Ouais, la reine est beaucoup trop forte en fait. La reine est trop forte, le seul problème c'est... C'est la reine en face parce que bah, j'ai rien pour la gérer à chaque fois et j'ai rien pour la tanker et tout, c'est vraiment un cauchemar. Ok, petite cache goblin, on part de l'autre côté. Ouais, j'ai vraiment une main de merde aussi. Hein. Bon, après, vu mon deck, est-ce que c'est vraiment surprenant? Je ne sais pas. Ah, yes. Eh, ça défend bien, mine de rien. Hein. Il n'y a plus de bûche en plus de ça, donc on repart en sapeur. Le colis qui va venir trop tard. Let's go. Nice. Ça commence bien. On va essayer de cycler l'esprit. Dans tous les cas, je peux défendre avec 4 d'élixir. Ouf. Ça va être tendu, ça, encore. Ça va être extrêmement tendu. On va attendre. Hop. Il active pas sa capacité. Qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi il active pas sa capacité? Il m'a perturbé en fait. La défense était beaucoup plus simple du coup parce qu'il a pas activé la capa, mais... Je comprends pas pourquoi il a fait ça quoi. Ouais, il joue assez... Ok, bon au moins je sais qu'il active... Ou alors il est pas au courant. Il est peut-être pas au courant qu'on peut activer la capacité. Mais là il aurait pu me tuer, c'est pour ça que j'ai over-defend un petit peu. Il a la bûche ou pas? Je sais plus en cycle. Je crois qu'il l'a. Hein. Ah, il est réactif le frérot. Hein. Il est chaud. Hein. Ok, on va mettre ça. On met la pression avec l'archère. Attention au colis. Voilà, faut pas pouvoir trop tard. Un sapeur qui devrait connecter. On a le petit esprit de soin sur la fin. Oh, l'esprit de soin qui va pas connecter malheureusement sur...
sur mon truc. Allez, on est reparti. Hop. Pas de bûche, hein. Mais je sais plus. Si, là-bas. Ouais, ok, j'ai pas fumé. Là-bas, il a bien une bûche, quoi. Non, 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 pourquoi il se met à activer sa capacité maintenant? Je croyais qu'il connaissait pas, hein, je croyais qu'il connaissait pas. Il m'a menti. Pendant tout ce temps, il m'a menti. Ah, est-ce que c'était la game de trop? Est-ce que je vais m'incliner, mesdames et messieurs? Ah, on sait pas, hein. C'est le suspense. C'est le suspense. Ah, ça c'est vraiment pété, hein, que la reine... Vous avez vu le glitch quand la reine est revenue, là? Il faut que vraiment j'ai la cyclopon au maximum, en fait, hein. Ok, ça connecte. Ça connecte pas. Open. La mamie qui est horrible. Allez, 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 tape, tape, tape. Non. Oh, les cochons, c'était vraiment le plus dur. Oh là 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 là, c'était dur. C'était dur aujourd'hui, cet épisode. Mais bon, déjà, on a battu des très 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 bons decks. Bah, c'est le deck qu'on a croisé quasiment au début. Sauf que là, encore pire, il avait... Oh, il avait la foudre en plus. Ah ouais, non, là, c'était chaud. Là, je vous avoue que c'était plutôt tendu. On a battu 3 mousquetaires, PK Spam, Spawner Recru, Golem Clone Foudre et Cochon Royaux. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me faire savoir si vous voulez que je fasse la même avec les autres héros, avec le Roi Squelette ou avec le Chevalier d'Or. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On met le petit pouce bleu et nous on se dit à la prochaine vidéo. C'était Lemoti, prenez soin de vous. Ciao, ciao.